Allô les filles! Allô! Papa, allez-vous, maman? Ben, maman est partie chez grand-maman pour préparer la grande fête de Noël pour demain, mais c'est tellement long tout ce qu'elle a à préparer, elle va arriver juste demain matin. Mais nous, on a un cadeau pour vous! Oh, c'est pas grave. Maman le verra demain, ton cadeau. Donne-moi-le. On a fait une belle décoration pour le sapin. Wow, c'est vraiment beau. Regarde, on va le mettre ici. Le village aussi est vraiment beau. Ah, ben, asseyez-vous, je vais vous le montrer, le village. Les maisons préférées à papa sont toutes cachées dans la forêt là-bas. Mais il y en a plein d'autres. Là-bas, il y a des magasins. Ici, là, c'est plein de restaurants. Il y a des gens qui patinent. Là, c'est le grand hôtel. En haut, il y a des beaux petits cafés avec l'église. Puis ça, ici, si jamais vous étiez dans le village pour vrai, c'est l'école. Fait que c'est là que vous iriez à l'école. Par contre, les cadeaux, ça c'est juste demain! Ah! Oui! Bah! Les filles, venez manger votre collation! Merci papa pour la collation et aussi merci pour le lutin. J'ai pas acheté de lutin. Bonne nuit, Shiraz. Bonne nuit. Est-ce que maman va venir le souhaiter? Mais non, tu sais que maman ne peut pas te dire bonne nuit. Elle est chez grand-maman. Elle va être ici demain matin. Bonne nuit, je t'aime. Bonne nuit, Lilou. C'est quand on développe les cadeaux? Les cadeaux, c'est demain chez grand-maman. Bonne nuit, mon grand bébé. Je t'aime. Dans sa chambre? Papa, t'es pas dans ta chambre? D'accord. Papa? 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 Papa?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Lilou? Je ne sais pas, on reste ici jusqu'à ce que maman arrive. Oui, mais papa, il a disparu. Chiras, je pense qu'on est dans notre village de Noël. Quoi? Viens, Chiras. Allô? Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en pyjama? C'est bien trop froid, vous êtes peut-être pas habillé. Il va faire froid. Qu'est-ce que c'est ça? Parti comme ça, il y avait quelqu'un pour nous aider. Maman, elle a toujours dit qu'il faut pas parler aux inconnus. Mais moi, j'ai froid. Oh, attends, je pense que j'ai une idée. Chiras, papa, il avait dit que ça, c'était l'école. Et il y a toujours des objets perdus. Oh oui, c'est une super bonne idée, on pourra se trouver du linge. Lilou, il n'y a personne. T'es sûr qu'on peut entrer? Ben oui! C'est pas si pire. En plus, il fait un peu trop froid. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux trouver papa. Ben, je pense qu'on n'aura pas le choix de demander à un inconnu. Ok, mais on ne le dit pas à maman! Bonjour monsieur, est-ce que vous avez vu un inconnu qui vient juste d'arriver au village? Ah non, il n'y a pas d'inconnu dans le village, mais à part vous deux. Désolé. Bonjour. Salut, est-ce que t'as vu mon papa? Ah, il y a une truc de Noël. Bonjour madame, est-ce que vous avez vu un monsieur avec une truc de Noël? Ben oui, je l'ai vu, c'est le Père Noël, il habite en haut de la montagne. On ne peut pas demander s'ils ont vu quelqu'un avec une tête de Noël. Ils vont tout dire le Père Noël. C'est vrai. Chiras, regarde l'hôtel.
Papa, ils sont mal allés à l'hôtel. Waouh! Bonjour monsieur, est-ce que vous avez vu un monsieur qui s'appelle François avec une tuque de Noël dans l'hôtel? Bonjour, je vais aller ici. C'est mon papa. C'est ton papa, un instant. Mais non, je n'ai pas de François ici dans l'hôtel. Papa! 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 Je veux retrouver mon papa, moi! Moi aussi! C'est où le lutin? Ben, t'as raison, il a disparu! Je l'ai plus avec moi! De toute façon, la lumière, elle est passée dans la maison là-bas. On y va! Lilou, est-ce qu'on cogne ou on rentre? Ben, on cherche le tapas, donc on rentre. Les filles! Mais voyons, qu'est-ce que vous faites ici? Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pour vrai, je ne sais même pas. Je suis rentré dans notre village de Noël. Là, je me suis dit, je vais aller à l'hôtel. Puis il n'y avait pas de place. Fait que je me suis promené. Puis j'ai trouvé cette maison-là. Elle est même pas dans le village de, normalement. Donc, j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est vraiment bizarre. Et maintenant, comment on fait pour rentrer à la maison? Ben, Giraz, je sais même pas comment on est arrivé ici. Donc, je sais pas comment rentrer à la maison. Le lutin vient d'apparaître! Il y a même une lettre dans les mains! Ben oui! Bonjour, c'est moi, le lutin Zia. Je m'excuse de vous avoir fait peur. Je voulais tellement avoir de la visite chez moi que j'ai utilisé ma magie de Noël pour vous amener ici. Je suis bien heureuse de votre visite. Dans une heure, vous retournerez à votre maison comme par magie. Profitez-en pour faire le tour du village. J'espère vous revoir l'année prochaine. C'est signé Zia. Waouh, alors c'est lutin Zia qui a fait tout ça. Merci Zia. Grâce à toi, on a fait vraiment un beau voyage de Noël. Bon ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, Zia avait dit qu'on avait une heure avant de retourner à la maison, donc on va aller visiter le village. Yeah! Bye bye Zia! Bye Zia! Bye Zia! Yeah! Yeah! Vous autres, vous avez des manteaux, mais moi j'en ai pas. Regarde papa, Zia t'a fait un cadeau!
Un bon restaurant? Ouais. Un bon restaurant, hein? Ouais. J'adore les lumières de Noël. Un autographe, s'il vous plaît? Non! Allô? Je suis arrivée! Maman! Est-ce que vous avez passé un beau Noël? Cette année? Cette année, c'est à mon tour.